chers petits observateurs, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va très bien, j'ai le sourire, j'ai la banane. Vous avez vu la vidéo avec Movie Car Central, avec Franck, sur les voitures de taxi. Vous avez vu la DeLorean, sans doute, K2000 aussi. On ne pouvait pas passer, en tout cas moi je ne pouvais pas passer ici sans parler des voitures de Fast and Furious. Des gens de ma génération, on est dans les années 90, je pense que ça vous avait... Enfin, tout se faire rêver, c'est ces voitures avec des néons, avec des moteurs qui vont à 1000 chevaux, le nitro, tout ça. Là, on a une chance vraiment énorme parce qu'il a eu plusieurs voitures de Fast and Furious. Et on est devant les deux voitures de Paul Walker, la fameuse Eclipse et la Supra. Et on est avec Franck qui va nous raconter un peu les histoires de ces deux voitures. Salut. Alors, Franck, bon, on t'a vu maintenant, ça fait pas mal de vidéos qu'on fait ensemble. Bon, bah, salut. Non, mais ce qui est cool, c'est que enfin moi, je pouvais pas faire autrement que de pas parler en fait de cette Eclipse et cette Supra. Alors, les deux ont une histoire... un peu différente, c'est pas les voitures du film, là c'est une réplique celle-ci, mais c'est intéressant parce que c'est une réplique, tu vas nous le dire plus en détail, mais du mec, quand il a vu le film, il s'est dit, il faut que j'en fasse une, mais c'était pas encore l'heure d'internet, donc c'était beaucoup plus compliqué quoi. Ouais, c'était les prémices d'internet, donc tout début des années 2000 quand le premier Fast and Furious est sorti, et le mec a vu l'Eclipse dans le film et il s'est dit, moi je veux la même, donc il a acheté une Eclipse, il l'a peinte de la bonne couleur, donc c'est une couleur Kawasaki de moto. Et il a trouvé des stickers, il a trouvé toutes les pièces du kit carrosserie, donc c'est pas exact, par exemple les roues c'est la bonne marque, mais les roues du film sont plus affleurantes que celles-là. Le pare-choc arrière. Parce qu'en gros il a fait des arrêts sur écran sur la VHS, ouais, et il s'est dit voilà, il faut que je... Ah, donc c'est compliqué en fait d'avoir exactement la bonne jante du bon truc. Surtout qu'elles sont très très rares quoi, donc encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, mais voilà, il s'est fait son, ce qu'on appellerait plus qu'une réplique, un tribute car, c'est-à-dire qu'elle est pas exactement, mais c'est un hommage. Voilà. Ouais, c'est un hommage. C'est un hommage à la voiture, et elle est franchement, enfin voilà, elle est pleine de défauts, en tout cas carrosserie surtout, vous pouvez voir qu'il y a des petites fissures un peu partout. Mais je l'adore. Un jour, je pense que je la referai complètement en carrosserie, mais pour le moment, je roule avec et juste, elle est exceptionnelle. Et puis, comme on disait, il y a mon histoire avec aussi, puisque j'ai été la récupérer à Chicago et je l'ai ramenée à Los Angeles en deux jours. On peut voir la vidéo d'ailleurs sur ta chaîne, road trip. Gros road trip américain. T'étais crevé, t'as très peu dormi, t'as roulé. Ouais, parce que c'était pas prévu que j'achète une voiture, je devais repartir en France, je crois que c'était un mardi, un truc comme ça. Et du coup, le dimanche, je la trouve sur internet et je me suis dit, allez, c'est parti, j'ai pris un avion, je suis parti. Et il fallait qu'en deux jours je revienne à Los Angeles pour prendre mon avion pour rentrer à la maison. C'est celui qui l'a fait qui te l'a vendu exactement ou... Non, parce que je sais que tu avais un musée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le musée qu'il a eu pendant, je crois, 6 ou 7 ans. Et oui, il s'en servait juste histoire qu'elle soit montrée. Elle était juste exposée, ouais. Il ne roulait pas avec. Ah, il y a l'histoire de la trappe aussi qui est différente, non? Ouais, dans le film, c'est une longue histoire. La voiture Hero Car, parce qu'il y a toujours plusieurs voitures dans les tournages, la Hero Car, ils avaient complètement enlevé la trappe d'origine. Ils avaient mis une trappe style course en aluminium. Ouais, qui est très grosse, fonctionnelle. Alors non, la vraie est fonctionnelle. C'est-à-dire que la Hero Car était bien. Et sur les autres voitures de cascade, ils n'avaient pas envie de s'embêter à tout refaire comme sur la vraie. Et ils ont juste peint en noir cette partie-là et collé une trappe dessus, en fait. D'accord, donc, on peut le voir dans le film, il y en a où c'est noir avec une trappe sur un truc carré, donc ça n'a aucun sens. Tout comme là, c'est pas comme ça sur la mienne, mais dans le film, on voit qu'il y a des faux disques de frein qui n'ont même pas détrié sur les voitures, en fait. Ouais, parce qu'en règle générale, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé sur les autres vidéos, mais en gros, il y a vraiment l'aérocar qui est vraiment... exactement comme il faut. Et après, bah, par exemple, sur les Peugeot, hein, on est sur des 2 litres avec du tissu à l'intérieur. Ouais. On a des plus petits moteurs sur celle-ci qui sont que des voitures en fait qui sont à côté. Voilà. Donc, et celle-ci, alors, si ça te dérange pas devant le capot, il y a le petit truc qui me fait rire, moi, avec le marqueur. C'est quel moteur? C'est un moteur qui aurait pu correspondre ou pas du tout? Il peut correspondre à ce qu'elle était censée être dans le film. D'accord. Parce que dans le film, elle est censée être super puissante. Et en fait, dans le film, c'est un moteur Chrysler qui était d'origine, hein, puisque c'était un partenariat entre Mitsubishi et Chrysler. Les Eclipses, elles étaient fabriquées aux États-Unis. D'accord. Donc, c'était un moteur Chrysler 420A atmosphérique. Soit disant un turbo et tout, mais il n'avait rien du tout. Et ça, c'est un moteur qui était en option aux États-Unis. C'est un 4G63. C'est le moteur qui est dans les lanceurs Evolution. Dégonflé à 200 chevaux. Mais même base technique, et du coup celle-là était préparée, remise à 300 chevaux comme dans les lanceurs, et le mec a rajouté un petit turbo au marqueur. Voilà, comme ça au moins on est sûr, il y a le turbo. C'est sûr qu'on est, voilà. Et ça marche bien, enfin, en dehors, quel a l'aspect, on va dire, Fast and Furious, est-ce que quand tu roules avec, tu te dis, ça marche quand même vachement bien. Elle déchire. C'est une de mes voitures les plus gratifiantes à conduire, parce qu'elle est hyper légère et elle part au quart de tour.
et elle a le bruit de la Westgate qui fait pshh quand c'est tu relâches ouais, le gaz. En fait, en prod, en post-prod, ils ont tout changé les bruits, quoi. Ça n'a rien à voir avec ouais. le truc. Mais bah, lui, il s'est débrouillé, je sais pas comment il a fait, mais elle fait le bruit qu'elle fait dans le film. Ah, t'as la valve avec le truc et tout. Elle fait le bruit de la valve et le moteur, l'échappement, fait plus ou moins le bruit du film. Le roi qui te fait un peu peur là. Ouais, je vérifie, j'en profite. Je pense que ce sera changé rapidement. Ouais, parce qu'avec toutes les voitures que tu as, les révisions et tout le temps en fait. Tu disais, il y a le côté vide rêve, mais il y a vraiment du boulot quoi. Vraiment, ouais, c'est. Bah, en fait, si tu as deux voitures de collection, c'est déjà un truc qui te prend du temps. Quand on a 23, là, ça devient vraiment plus qu'à plein temps quoi. On se fait un petit tour à l'intérieur avant de faire la Supra. On peut voir la finition aléatoire au niveau de la visserie sur le, sur le bas de caisse, si tu veux regarder. Ah, d'accord. Ça a ouais. été fait vraiment à la cubaine, comme on dit. Respect aux Cubains. Donc voilà, c'est... Je ne vous permets pas, monsieur Franck. Moi, il ne retourne pas en prison, cabron. Mais voilà, ça se passe comme ça. C'est grossier, mais c'est génial. Je ne sais pas comment dire. C'est comme un truc dont on a honte, mais qu'au fond de soi, on aime bien. Et on est assez juste par rapport, par rapport au film, là où... Celle-là, ah oui, complètement. Ah, ouais. Okay. C'est ça qui est assez rigolo avec, avec ce que je fais. C'est qu'il y a des voitures que j'achète uniquement parce que je les ai adorées dans le film, mais j'ai aucune idée de si c'est des bonnes bagnoles ou pas. D'accord. Et elle, par exemple, la Mitsubishi Eclipse, j'avais aucun. Je savais pas, j'ai jamais conduit ça de ma vie. Mais c'est une bagnole qui t'a aussi fait rêver. Moi, par exemple, c'est genre, voilà, ouais, Fast and Furious dans le truc, c'est un peu le Graal avec le début de truc avec le downtown en arrière-plan. C'est et ça. Tout. Et tu l'avais fait ou pas sur ta vidéo tout à fait, ouais, c'est ok, d'accord, je suis pas fou. Je suis allé dans les lieux du tournage. D'accord. Mais tu sais jamais si, si la voiture que t'as vue dans le film, en vrai, c'est bien à conduire. Par exemple, une DeLorean, c'est cool, mais c'est pas hyper excitant à conduire. Alors que ça, là, vraiment, grosse surprise, la voiture, je suis parti, j'ai fait wow, les vitesses, elles passent super bien et tout, et la voiture répond hyper bien. J'ai envie de dire, vu le nombre de kilomètres que tu t'es tapé, t'avais plutôt intérêt. J'ai eu le temps de la prendre en main. Ouais. Bon, on peut pas faire autrement, il y a la petite Supra à côté. Ouais, alors elle, c'est encore une autre histoire. Là, alors déjà, alors, je dis à chaque fois, on dirait que limite je fais de la pub, mais pour le coup, c'est très intéressant. Allez voir toute cette histoire de Supra avec le pont arrière. Tu l'as acheté, mais c'est. Déjà plus récent, c'est totalement différent. On l'a acheté aux enchères, donc elle faisait partie d'un show qui s'appelait Fast and Furious Live, un spectacle où les gens allaient voir dans des stades en fait. Ils mettaient les voitures sur la piste et puis ils faisaient du drift, ils faisaient tout un tas de trucs pour reproduire des scènes du film en vrai, avec des vraies voitures, des vrais cascadeurs. Et ce truc a fait faillite il y a 6 mois. Ils ont vendu les voitures aux enchères il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc tout a été mis en vente, même le parquet, enfin tout ce qu'ils utilisaient, les compresseurs, les démons de pneus, ils ont vendu tout ce qui faisait le show, d'accord. dont les voitures, et on a réussi à récupérer les trois principales, donc la Supra et les deux chargeurs de Vin Diesel du 7 et du 8. Les chargeurs sont des vrais, elle par contre, c'est une voiture qu'ils ont faite que pour le show, parce que la vraie du film elle est au Luxembourg et le mec l'a payé je crois 300 ou 400 000 euros. Donc, et ils la ont vraie fait... du film, ils l'ont pas aussi utilisé pour le 2, ils ont changé le kit carrosserie, si, je sais pas quoi. Ouais. Alors la vraie Hérocar a été vendue très 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 cher et n'est plus disponible, et les autres ont été réutilisés dans le 2 effectivement pour faire la voiture d'un avec des la gars scène, de la première ça, course. Okay. Mais donc voilà, il n'y a plus de Supra disponible, donc ils ont dû en refaire une. Et le gars qui l'a créé m'a expliqué qu'ils n'ont pas eu le temps d'importer une voiture des États-Unis, donc ils sont partis, puisque la production du show était en Angleterre, ils sont partis d'une conduite à droite. D'où le. D'où voilà. Donc c'est une des seules choses vraiment qui différencie la voiture de celle du film. Le kit carrosserie est le bon, le capot est le bon. Il y a plein de choses qui sont bien. Je crois que l'aileron arrière est un tout petit peu trop haut par rapport au film, donc il faudra qu'on voit si on peut trouver des. On se rend pas compte, je pense, en vidéo, même moi, je regardais c'est les vidéos. Très que... haut, ouais. Ouais, et en fait. Toutes ces voitures, elles sont hors normes. Quand tu es vraiment à côté, tu te rends compte à quel point c'est. Ce qui est intéressant avec ces voitures, c'est que bon, tu as eu des mésaventures, mais bon, ça fait partie de son histoire. C'est qu'il y avait oui, plein de choses qui étaient au top du top, c'est et ça. Soi-disant, mais vu qu'elles sont restées, on fait, a récupéré. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réussi à retrouver par Instagram les mecs qui étaient cascadeurs pendant le show, et j'ai commencé à discuter avec eux. J'ai retrouvé le chef des cascades qui était aussi le responsable des véhicules pendant le show, et je lui ai dit bah, qu'est-ce qu'il y a sur les voitures. Et il m'a expliqué tout ce qui était monté sur cette bagnole-là. Notamment un gros pont qui, soi-disant, peut encaisser 1500 chevaux. Pardon. J'ai fait 5 km, j'ai été mettre de l'essence. J'ai fait 3 km avec et le pont arrière s'est bloqué, fini, mort au milieu de la route. T'étais à quoi, 60 km en c'est j'étais, ça ouais, à peu près à 60, donc heureusement que j'avais pas plus vite parce que les roues arrière se sont bloquées. Et c'est là qu'on a découvert en démontant qu'en fait le pont arrière c'est un tout petit pont qui est même pas pour une Supra Turbo et même si on m'a dit qu'il aurait pu éventuellement casser la puissance, il est pas différentiel à glissement limité, donc vraiment c'était pas du tout le pont qu'ils ont utilisé pour le show.
Et j'ai posé des questions au mec, il m'a dit effectivement, on a eu des vols apparemment avant la vente aux enchères, il y a eu des pièces qui ont été prises, qui ont disparu, des volants qui ont disparu, ils ont dû racheter des volants pour toutes les voitures. C'est quand tu l'as eu, t'avais pas le bon volant, je sais pas quoi. C'est pas le bon volant, okay, en fait, eux ils avaient un volant Sparco bleu qui était le même que dans le film, et là pour la vendre, en fait, comme tous les volants avaient disparu, ils ont racheté un Sabelt qui est très bien, mais c'est pas celui du film. Voilà, donc il y a. C'est forcément un mec en interne. Oui, on est sûr. Le mec m'a dit c'est forcément le mécano qui s'occupait des voitures à la base aérienne avant qu'elles soient vendues. Parce qu'ils lui ont demandé de les remettre un peu d'aplomb et visiblement le mec s'est servi. Après, le show s'est très mal terminé et plein de gens n'ont pas été payés donc. D'accord, il y a le côté un peu rancœur. Voilà, il y a le côté, le mec en fait a peut-être juste voulu récupérer un peu de ce qu'on lui devait quoi. Donc on peut même pas vraiment lui en vouloir, moi j'en veux à personne. Ils ont mis le gros Contour qui est à peu près le même, sauf que c'est pas la même marque que dans le film. Et les sièges par contre c'est cool, ils ont vraiment refait les sièges comme dans le film, c'est-à-dire que c'est les sièges de Supra d'origine qui ont été retapissés en fait, et d'accord. Ils ont mis le passage qui n'existe pas normalement sur une Supra pour pouvoir mettre les harnais. D'accord. Donc ça c'est bon, ça on est comme dans le film. Et par contre, le reste, c'est vraiment, ils ont fait en sorte que la voiture soit pratique à l'utilisation plutôt que confort. Ouais, mais parce que forcément, vu que c'était le truc live, ils avaient, enfin, eux, ils l'utilisaient donc. Ouais. Mais au final, elle est sûrement mieux construite que toutes les voitures du film. Quoi. Parce qu'elle, elle est prévue pour qu'on lui en mette plein la tronche pendant longtemps et pas juste pendant une prise qui dure 5 minutes. T'as quoi comme moteur dessus? Parce qu'en fait, le moteur de la Supra, le fameux 2JZ que tu peux monter à 1000-1500 chevaux, c'est vraiment le truc. Justement, le gars m'a expliqué que dans toutes les voitures, en fait, ils mettent des V8 là-dedans. Pour pas s'embêter parce que ça coûte moins cher et puis c'est plus simple à remplacer. Et ils ont insisté auprès de la prod qui elle voulait mettre un V8. Ils ont dit on peut pas avoir une Supra qui fait un bruit de V8 donc elle a le 2JZ. C'est la première fois que je vois en vrai. ça fait quelque chose. D'accord. Et là ils développent tu penses 650 chevaux. Enfin c'est ce que t'as dit du coup. C'est ce qui était marqué dans les infos du show. D'accord. Ils avaient même dit plus à des gens pendant les réunions de presse. Mais en fait j'ai eu la vraie info. Elle est prévue, le bloc a été renforcé avec des pistons, tout machin, tout est prévu pour 800 chevaux. C'est-à-dire qu'elle pourra encaisser sans problème et tout le temps et en lui matraquant la tronche 800 chevaux. Parce que c'est facile d'atteindre 800 chevaux pour 5 minutes. Mais par contre, au bout de 5 minutes, t'as tout qui explose. Quoi. Là, elle était construite pour pouvoir encaisser 800 chevaux en l'utilisant vraiment hardcore. Mais la prod du show a dit, pour la première année, on veut que vous mettiez un petit turbo. Il est déjà gros, mais apparemment, il est encore plus gros. Petit turbo. On veut un petit turbo pour pouvoir que vous nous prouviez qu'elle peut tenir le coup toute l'année sans exploser. Et si elle tient, on mettra un gros turbo l'année d'après. Ah, parce qu'elle est contrainte de budget aussi. Sauf qu'il n'y a jamais eu de deuxième saison, donc là, elle fait 560 chevaux. Elle peut les décimer toutes. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je disais à Renault, c'est la fameuse phrase, elle peut les décimer toutes. Non, mais en tout cas, merci Franck pour toutes ces vidéos qu'on a fait ensemble, parce que c'est la question qui va t'embêter, mais une R34 de. C'est dans les tuyaux, ou pas? C'est rigolo, parce que c'est une voiture qu'on voit pas longtemps dans le film, mais au final, elle marque plus les gens que toutes les autres. Ouais, mais je crois que c'est vraiment on l'avait mis une fois dans une vidéo, le début avec les néons et tout, le truc. C'est un peu le Saint Graal et ça arrivera. Mais je veux que ça arrive de la bonne manière, c'est-à-dire je veux pas juste qu'on achète une R34 comme ça. Tu les mettes de bande bleue. Si on peut aller en chercher une au Japon et filmer et tout, ce serait pas mal. Bon, bah il faut le suivre. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.